Ce qui m'a particulièrement intéressé dans cette œuvre de Georges Rouault, c'est cette tête de licorne. Il s'agit d'un masque. Ce nu porte un masque. Et pour ma part, j'y vois un hommage rendu à Gustave Moreau, le maître de Georges Rouault. Nous sommes effectivement en 1905, au moment où Georges Rouault prend la tête du musée Gustave Moreau, nouvellement créé à la demande de celui-ci. La licorne est un animal qui fait entièrement partie du bestiaire de Gustave Moreau. Et j'y vois un hommage d'une manière subliminale rendu à cet artiste.